Nous sommes sur le boulevard République depuis maintenant plusieurs années. Les réflexions sont en cours pour pouvoir aménager le boulevard de la République et notamment y créer une piste cyclable. Alors c'est très compliqué, ceux qui ont suivi le dossier le savent, parce que les riverains ont l'habitude de garer leurs véhicules sur le trottoir. Ça donne un stationnement anarchique, mais ça crée des places. Donc l'objectif pour nous, c'est de créer à l'occasion de la période de déconfinement une véritable piste cyclable, en profitant du fait que le trottoir est assez large. Il y aura 2 mètres pour le trottoir piéton, 1,40 m pour la piste cyclable. Et ainsi, on aura résolu le problème. Et bien sûr, on préserve les arbres, parce que dans le cadre de la campagne politique, vous avez peut-être entendu dire qu'on allait abattre ces arbres. Non, nous n'allons pas le faire. Mais mieux encore, nous allons créer des places. Parce qu'on peut comprendre le souci des riverains de mettre leur véhicule quelque part. Et j'ai proposé au conseil départemental qui en a accepté le principe, dans le cadre de l'expérimentation de cette période post-confinement, de créer des places de stationnement sur la rue des États-Unis, l'avenue des États-Unis, entre la place Alexandre Ier et le boulevard de la République. Nous allons créer 80 places. Et là, il y a à peu près 50 places de stationnement sauvage. Donc voilà, c'est positif sur tous les plans pour le quartier Montreuil et puis de façon générale pour la circulation des vélos à Versailles. Voilà, n'oubliez pas, quand vous êtes en public, mettez le masque. À bientôt.